Analyse en cours. Pam. Traitement en cours. Agent, Rafale, votre arrivée n'avait pas été calculée. Comment ça, mon arrivée n'avait pas été calculée? Impossibilité temporaire d'analyser les signaux vocaux. Traitement en cours. Ajustement préliminaire au modèle statistique terminé. Lancement des présentations. J'étais, je suis, et selon toute vraisemblance, je serai Pam. Prévision analytique mathématique. Tu travailles pour le réseau du rail? Oui. Il existe un fort degré de corrélation entre mes objectifs et le réseau du rail. Il me fournit des données. Je leur fournis des approximations comportementales de premier ordre portant sur tous les résidents de la région désignée sous le nom de Commonwealth. Reformulation. Je prédis l'avenir. Tu vois dans le futur. C'est la fonction première de cette unité. Avertissement. Les formes de vie biologiques ont des comportements erratiques, imprévisibles. Toutes les conclusions ont une marge d'erreur extrêmement élevée. Quel est ton niveau de précision? Ma précision est proportionnelle à la taille du groupe observé et inversement proportionnelle au laps de temps étudié. Mais toutes les prédictions sont affectées par le facteur humain. Opération terminée. Vous êtes une variable insaisissable. Aucun des modèles actuels ou passés ne peut prédire votre présence ou votre existence. Question. Quel est votre point d'origine? Je viens de l'abri 111, si c'est ce que tu veux savoir. Accès aux données. Abri 111. Abri cryogénique. Destruction supposée. Conversation terminée en attente de reconstruction d'une nouvelle matrice prédictive. Reformulation. Au revoir. Lancement de l'analyse récurrente selon la méthode d'Ibrovienne. Si vous n'avez pas besoin de soins médicaux, laissez-moi tranquille. Desdemona m'a demandé de vous remettre ceci. Vous avez fait une belle prouesse en récupérant ça. Mais là n'est pas la question. Alors que vous n'aviez pas suivi la moindre formation et qu'on ne savait rien de vous, Des a décidé de vous inviter dans notre QG. J'aurais apprécié qu'elle m'en parle d'abord en ma qualité d'adjoint. Mais ce qui est fait, est fait. Oh. Comme vous êtes là, autant mettre vos talents à profit. Quoi? Vous ne me croyez pas capable d'accomplir une mission dangereuse? Ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ce que vous avez fait au standard me prouve que vous savez gérer les situations dangereuses. J'espère que cette mission ne nécessite pas de s'y connaître sur les synthétiques et nos procédures, car vous n'avez guère eu le temps d'apprendre quoi que ce soit à ce sujet. C'est vous qui avez voulu me recruter, alors baissez d'un ton. Comme c'est charmant. Quelque chose me dit que vous vous entendrez bien avec Glory. Un de nos agents de terrain, le vieux Stockton, a besoin d'aide avec un synthétique en fuite. H2-22. Comme d'habitude, c'est au QG de régler tous les problèmes, vu que personne n'est capable de s'occuper des siens. Ce vieux fou paranoïaque n'a rien voulu nous expliquer. Il va falloir recueillir les informations dans l'une de nos boîtes aux lettres mortes. C'est quoi une boîte aux lettres morte? Oh, Seigneur. C'est une boîte aux lettres qui porte un signal ferroviaire. Il s'agit d'un moyen de communication que nous employons fréquemment. Alors, ouvrez l'œil. Quand vous établirez le contact avec Stockton, il refusera de vous adresser la parole si vous ne connaissez pas le mot de passe. Il vous demandera « Vous avez un compteur Gégère ?» Et vous devrez lui répondre « Le mien est en réparation. » Deacon vous a au moins expliqué ça, j'espère. Vous pouvez me faire confiance. Je m'en charge. C'est plutôt convaincant, à vrai dire. Stockton est un homme d'affaires important de Bunker Hill. La boîte aux lettres mortes se trouvera non loin de là. Utilisez le tunnel d'évacuation à l'arrière pour y arriver plus vite.
Je suis contente que vous ayez signé. Ça veut dire que je vais enfin pouvoir me reposer de temps en temps. Bob Crosby, voilà. C'était bien, hein. Vous avez vu? Il y a cet article dans le journal. Déballage public. Je veux dire, quand même, c'est dingue. Je dis pas que tout le monde est un synthétique, hein. Ça y est. Que c'est forcément vrai. Et vous savez, évidemment, il m'a demandé de lire. Le bureau du maire m'a envoyé un communiqué. Et ben en fait, ça dit qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Voilà. Tout va bien. C'est assez dingue, non? Quoi? Je te couvre. Grosse erreur, en tout cas. J'ai besoin de tirer de soutien par ici. Bordel, j'ai besoin de...
ça vaut le coup ce que t'as sur toi. Fais-moi signe si tu trouves des munitions. Ouais, t'as pas quelques trucs sympas pour moi ? Mise à jour. L'activité inhabituelle observée a cessé. Un créneau est ouvert pour qu'un poids lourd prenne le contact, mais il faut agir vite. J'ai toujours le colis en ma possession, mais il ne peut pas rester ici plus longtemps. C'est trop dangereux. Terminé. Ah, vous
Madame Caril. Vous là, vous êtes avec une caravane ou avec les pillards? On peut dégoter tout et n'importe quoi ici. C'est le moment de faire nos emplettes. Je suis avec personne. Vous êtes à votre compte, hein? D'accord. Venez. Mais défense de sortir une arme à feu. Le marché est ouvert. Si vous avez envie de faire du troc, n'hésitez pas. On devrait se reposer ici. C'est une vraie forteresse. Bonjour, camarade. Dites-moi, vous avez un compteur Gégère? Ah, vous êtes ici pour le compteur Gégère? Le mien est en réparation. Vous? Je m'attendais à quelqu'un de mieux armé. Vous venez de la part de nos amis communs, n'est-ce pas? Disons que oui. Bien sûr. Vous venez de nous rejoindre, n'est-ce pas? Tout ce que vous devez savoir, c'est que cet endroit est la première étape pour tous nos nouveaux colis. Il est donc vital de respecter les procédures de sécurité et de tenir les délais. Un commerçant doit toujours faire circuler sa marchandise efficacement. Exactement. Mon colis actuel est en ma possession depuis bien trop longtemps. Je suis censé le livrer non loin, mais la présence des pillards complique grandement les choses. Alors, si vous pouviez... Donc je joue juste les gros bras, c'est ça? Les autres problèmes, je peux les résoudre moi-même, mais des fois, un bon coup de marteau est nécessaire. Nous devons effectuer la livraison de nuit. Donc, dès que vous nous aurez débarrassés des indésirables, nous nous retrouverons à la nuit tombée. Avec tout ce merdier, j'ai presque envie de rejoindre le réseau du rail. Je sais pas, il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose, papa. Depuis quand tu te préoccupes du sort des satellites? C'est pas ça. Quelqu'un?
tout a l'air dégagé. Je vous présente H2-22. H2, voici la personne dont je vous ai parlé. C'est un plaisir de vous rencontrer, H2. Une nouvelle personne qui est contente de me voir. Je vais devoir m'y habituer. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, H2. Je vais allumer le signal. Et voilà. Bon, je dois y aller. Protégez H2, surtout. Quelqu'un arrivera bientôt. Hé, hey, H2. Si ce qu'on m'a dit est vrai, il faut sans doute mieux que je vous en dise le moins possible. Je veux pas vous mettre encore plus en danger. Le danger, j'en mange au petit déjeuner. Ça a un goût de poulet. De poulet ? Désolé, je ne vous suis pas. Mais... Je voulais vous remercier. Ce monde est intimidant, mais quand je pense qu'il y a des gens comme vous, ça me rassure. Tout le plaisir est pour moi. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Ne tirez pas. Rafale, c'est ça ? J'ai entendu parler de vous. Vous avez suivi le chemin de la liberté, nettoyé le standard. Content que vous soyez des nôtres. Vous avez un compteur Gégère ? Ah oui, c'est vrai. Le mien est en réparation. Ça vous va ? Bon, voyons un peu votre ami. Hey, ça va ? Un peu secoué, mais sinon je suis en pleine forme. L'autre homme, il m'a dit de ne pas trop parler. Et il a raison, H2. Vous avez besoin d'un vrai nom et d'un nouveau visage. Mais on verra ça plus tard. J'ai d'autres pillards aux fesses. On va avoir besoin d'un peu plus d'aide. Comment ça, un nouveau visage ? On doit faire disparaître le numéro de série des nouveaux arrivants. Comme ça, l'Institut a plus de mal à les retrouver. La plupart des synthétiques choisissent aussi de recevoir de nouveaux souvenirs. Ça aide à garantir leur protection. Mais d'abord, il faut le conduire en lieu sûr. On doit aller au repère Ticonderoga. C'est chez moi là-bas. Beaucoup de synthétiques tout juste libérés logent là le temps qu'on puisse les faire sortir en douce du Commonwealth. D'accord. Ticonderoga, nous voilà. N'avez qu'à me suivre. C'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce que... Oh, ça va se pied. Entendu ?
Salut, gratte-ciel. On y est. Pour vous, ce genre de nuit, c'est la routine, non? C'est une opération normale, ça? Ouais, malheureusement. Des fois, je peux m'occuper de nos copains tout seul. Suffit d'être discret. Mais d'autres fois, c'est à croire que ces foutus pillards ont organisé une convention dans le coin. Bosser en tandem avec vous, ça facilite vachement les choses. Si vous avez besoin de bouffe, de munitions ou même d'un endroit où pioncer quelques heures, venez à Ticonderoga. Ma maison est la vôtre. Mais là, faut que je m'occupe de H2. À plus. Les gens commencent à paniquer en voyant ces trucs dans le ciel. Je croyais que c'était les extraterrestres de Tom Labricole. Les extraterrestres existent vraiment? Tais-toi. Ce dirigeable s'appelle le Pridwen, et il appartient à la confrérie de l'acier. C'est un ordre militaire parfaitement organisé et extrêmement bien équipé. Ils sont venus ici pour éliminer les synthétiques. Merde! Faites passer le mot. La confrérie est notre ennemi. Aucune paix n'est possible entre nous. Tom Labricole va élaborer un plan d'urgence pour contrer la menace de la confrérie. Nom de code, Opération Lumière Rouge. En attendant, on les surveille de près et on les tient à distance de nos opérations. Notre objectif principal reste l'Institut. Vous avez reçu vos ordres de mission. Alors mettez-vous au travail. Hé, hey, la recrue. Moi, c'est Tam Tam. C'est moi qui ai hérité du job de rêve. Je parie que vous n'aviez jamais rencontré de synthétique avant aujourd'hui. Vous avez vraiment parcouru le chemin de la liberté? Comme ça, sans personne? Il y en a vraiment qui sortent à toute heure. J'imagine que les soucis de H2-22 ont été résolus. Bien sûr, mais il y a encore fort à faire. Depuis la perte du standard, nous sommes sans nouvelles de deux de nos repères. Je veux que vous alliez vérifier Augusta. Je m'en charge. Vous trouverez les détails dans la boîte aux lettres mortes. Faites attention, il y a de fortes chances que ce soit très dangereux.